Alors, la pêche électrique, elle est destructrice parce que déjà, elle n'est pas du tout, elle est pas du tout ciblée. C'est-à-dire que le courant électrique, il va toucher l'intégralité de l'environnement. Ça va toucher, bien sûr, les poissons qui sont ciblés. Ça va aussi toucher les œufs, les juvéniles, les invertébrés. Et tous les pêcheurs de la mer du Nord, là où la pêche électrique est pratiquée, nous disent qu'il n'y a même plus un ver dans le sédiment. Là, c'est du concret. C'est pas, ouais. Ça, c'est pas de la falsification. Ouais. Hein. Car par rapport à il y a 10 ans... Voilà. Et comme on est là... Moitié... Jusqu'en 2014, on débarquait à Boulogne-sur-Mer, du 1er janvier au 30 mai, on débarquait à peu près 5 à 600 tonnes de sol. Et cette année, on a des chiffres catastrophiques, puisqu'on est à 192 tonnes du 1er janvier au 30 mai. Voilà. Les pêcheurs artisans ont vraiment le couteau sous la gorge. Littéralement, ils sont en train de mettre la clé sous la porte. Ils tombent en faillite les uns après les autres.